Frères et sœurs, bonsoir, chers amis. Good evening, brothers and sisters. Good evening, friends. Bonjour à ceux et celles qui nous regardent sur YouTube de l'autre côté du monde, sur Facebook. Bienvenue à cette série de conférences. And also good morning for those of you who are watching from the other side of the world. And welcome to this evening program. Vous êtes nombreux, nombreuses à se joindre à ce programme au fur et à mesure. Et nous pouvons voir l'église de Ourochede. And you are very many joining us from the beginning of this program. And we could see some of the churches who are already ready there. Il y a l'église de Djungolo, du collège adventiste de Maroua, l'église de Garoua Centre, de Sceaux de Coton, Kanadi, à Garoua, l'église de Yeloua, ça sent un tout petit peu Garoua toujours, qui domine ce soir d'entrée de jeu. And as we begin, I've spotted many churches in the northern part of Cameroon who are already connected, who have their names. Et Ngaoundéré, Piémont, Thème Sud à Yaoundé, Fandena à Yaoundé, Mount of Blessings à Douala sont autant de groupes que nous voyons. Nous pouvons voir, il y a Laïndé, il y a Founangé à Maroua. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse abondamment. Thank you all for joining and may the Lord bless you abundantly this evening again. Et nous disons bonsoir à tous les autres pays africains qui ont accepté partager ces moments merveilleux avec nous. And we also greet all the other countries who accepted to join us and watching the program. Et vous le savez, là où les enfants de Dieu se rassemblent, Dieu envoie les bénédictions en abondance. And as you know, wherever God's children are gathered in a place, God sends abundant blessing over there. Bien, nous avons un programme très intéressant ce soir et nous allons commencer comme tous les soirs avec ce cantique thème pour chanter notre assurance du salut en Jésus-Christ. And this evening, like other evening, we are going to play our theme song showing our assurance we have in Jesus. Et juste après ce cantique thème, nous allons écouter la prière d'ouverture du pasteur Madiaya de Ngaoundéré. And after this, the opening prayer will be offered this evening by Pastor Madiaya from Ngaoundéré in the northern part of Cameroon. Immédiatement après, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Il y a quelque chose de très puissant ce soir. Demandez aux autres de se connecter. Il y a un message pour chacun d'entre nous. And this evening, the Lord has a special message for each one of us. That's why encourage all your friends to get connected right away to be part of this evening blessing. Partagez les liens. Si vous ne voyez pas quelqu'un, tu dis, mais écoutez, je ne vous vois pas en ligne. Partagez, partagez autour de vous. And if you don't see your friend connected, call him, tell him something is going on. Get connected and be blessed. Voyez, nous ne sommes que 76 points de connexion. Nous sommes plus nombreux, c'est vrai, mais nous ne sommes que 76 pour le moment. And for now, we are about 76 gathering places when people are watching and others can still join. Et nous allons donc vous inviter à présent à suivre ce cantique thème. C'est mon histoire, c'est là mon chant. C'est un cantique que je voudrais nous proposer pour ce soir. Suivre ces moments avec nous par la grâce de Dieu et ainsi bénéficier de tout le bien. Let's listen to the special song after which the program will continue. Blessing assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine. Heir of salvation, purchase of God, born of his spirit, washed in his blood. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long.
This is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté, et son esprit m'a régénéré. C'est mon histoire, c'est l'amour chant. Louez mon sauveur à chaque instant. C'est mon histoire, c'est l'amour chant. Louez mon sauveur à chaque instant. Je veux obéir à mon Seigneur, dans mon cœur sentir la paix de son cœur. Veillez et priez, l'attendrai jour. Me laissez lier par son amour. Et mon histoire, c'est l'amour chant. Louez mon sauveur le jour du roi. C'est mon histoire, c'est l'amour chant. Louez mon sauveur le jour du rang. C'est mon histoire, c'est l'amour chant. Louez mon sauveur le jour du sauveur le jour du oh. Alléluia. Amen. Nous bénissons Dieu pour ce moment qu'il nous donne de partager. We bless God's name for this opportunity God has given us to pray. Let's pray with Pastor Madi for the opening prayer. Éternel, notre Dieu, notre Père qui vit dans les cieux. Our Father who art in heaven. Nous voulons te remercier pour cette grâce que tu nous accordes. We would like to thank you for this opportunity you have given us. Nous voulons en ce moment précis, Seigneur Dieu, te présenter ton serviteur qui va prendre la parole. Father, I would like to commit to your care your servant who is going to speak to us this evening. Que ton esprit le dirige encore, Seigneur Dieu, pour répandre la semence dans nos cœurs. May your Holy Spirit guide him so that he can sow the good seed in our hearts. Et nous te prions pour tous les auditeurs, tous les différents sites, pour que le message, Seigneur, puisse toucher le cœur. And we pray for the various listeners, wherever they are in the various sites, dispose our hearts so that we'll be able to understand your word this evening. Parle encore à nos cœurs, Seigneur. Speak to us, Lord. Et que ce message nous transforme pour notre vie de chaque jour. And may the word we are going to listen to this evening transform our lives for eternity.
Nous t'avons prié au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. We have prayed in the worthy name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. 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 Merci, Pasteur Madiaya, pour cette prière. Thank you, Pastor Madiaya, for this opening prayer. Jésus-Christ est ressuscité. Jesus Christ is resurrected. Et il est ressuscité, il est assis à la droite de Dieu le Père. Hallelujah. And he is resurrected and he is seated by the right side of the Father. Et Dieu lui a donné tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. And God gave him all power in heaven and on earth. Il y aura une séance de prière spéciale ce soir. And there will be at the end of the program a special moment of prayer. C'est pour cette raison que je nous ai invités à inviter nos amis à se connecter, parce que l'homme de Dieu va prononcer les oracles de l'Éternel, mais aussi il va faire des déclarations fortes de foi qui vont agir dans votre vie. Because at the end of the program, the man of God is going to pray specially for a group of people. He's going to speak of God's oracle for people, special group of people this evening. Demandons à tous ceux que nous connaissons, envoyons le lien de cette rencontre pour que l'Éternel manifeste sa gloire dans leur vie. So let's invite others to join so that the Lord's power will be manifested in their lives. Une fois encore, nous remercions tous ceux qui se sont joints à nous, qui sont sur Facebook, qui sont sur YouTube, en direct. Que Dieu vous bénisse. And we thank you who have joined, those of you watching via YouTube or Facebook. May the Lord bless you. Nous disons un bonsoir particulier à la communauté de Bafia Centre qui a envoyé 63 sujets de prière hier. And we would like to thank people from Bafia Centre. They sent us 63 prayer requests just yesterday night. Que Dieu te bénisse, Pasteur Valandez. Pasteur Valandez, may the Lord bless you who are coordinating people watching over there. Que Dieu bénisse tous les autres sites, Mayelibé, Collège Adventiste, Edmilson de Ngaoundéré, Bepanda, que Dieu vous bénisse. And may the Lord bless other sites in Collège Adventiste and other sites. Nous allons donc à présent inviter l'homme de Dieu, le pasteur, docteur, Anonaba Kinsley, le conférencier international que Dieu nous a envoyé. And we, at this moment, we are going to give the floor to our international preacher, the man of God, Dr. Pastor Kinsley Anonaba. Il sera encore traduit par le serviteur de l'Éternel, le pasteur Selom Sesou. And he will be translated, interpreted by Pastor Selom Sesou. Je vous invite donc dans un esprit de prière à vous laisser pénétrer par la vérité ce soir. Pasteur, vous avez la parole. Let's allow the truth of God to speak to us. Pastor. Amen. Thank you, amen. My beloved brothers. Merci, mes chers amis. My colleague, Pastor Selom Sesou. Je vous remercie, ancien Bakari, et mon collègue, Pasteur Selom Sesou. I also want to thank all our colleagues down there in Cameroon, our fellow ministers in all our districts coordinating this program. We can mention your names, but may the Lord bless all of you and continue using you. And nous ne saurions remercier chacun d'entre vous, pasteurs anciens qui coordonnaient les programmes sur tous les sites au Cameroun. Nous ne saurions mentionner vos noms individuellement. Puisse le Seigneur vous bénir. We thank the Lord for the leadership of Cameroon Union Mission. The president, et nous bénissons le nom de l'Éternel. Wonderful coordination they have shown in these meetings. Et nous remercions le Seigneur pour les dirigeants de l'Église Adventiste du Septième Jour dans l'Union Mission du Cameroun, le président, le secrétaire, le trésorier, pour ce bon travail de coordination que vous faites. May the Lord bless you, my dear leaders, for doing this. Et que le Seigneur vous bénisse, chers leaders. May the Lord bless the income of this union for the financial support you've given to all these churches to be able to coordinate well. Et que le Seigneur continue de bénir vos finances pour le soutien que vous apportez à toutes ces différentes églises pour pouvoir suivre, prendre les dispositions pour suivre ce programme en ligne.
Let us continue to pray for each other as we do the Lord's work for our Savior to come soon and take us home. Et faisons de notre mieux alors que chacun joue sa part en apprêtant le monde entier pour rencontrer notre Seigneur Jésus-Christ. Before we hear the word of God this evening, I want to make a very smart request. If the evangelist of the union is connected, Pastor, can you bring John chapter 3? You will read for us verses 3 and 4 tonight for our Et Bible. Et si l'évangéliste de l'union est connecté, nous allons lui demander de nous lire Jean chapitre 3. Le verset 1 à 3. Please, Jean chapitre 3. Our dear colleague, my fellow evangelist, for the Bible Cher test. Évangéliste, sorry, we are Jean chapitre 3. John 3, 3 and 4. Verset 3 et 4. Est-ce qu'on peut avoir son nom pour l'autoriser? If it's not connected, si on le voit pas connecté, I would wish that Pastor Yengesa, if you are close to your Bible, on va demander à Pastor Yenge d'ouvrir son micro et de nous faire la lecture. Jean chapitre 3, le verset 3 et 4. Il est écrit. It is written. It's written in French. Jésus lui répondit. En vérité, je te le dis. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit. Comment un homme peut-il naître quand il vieux. Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Amen. Parole du Seigneur. Amen. Thank you, Pastor. Let's bow our heads. Baissons la tête dans la prière. Thank you, Lord Jesus, for your children are ready to hear you speak to us this moment. Merci Seigneur parce que tes enfants sont prêts pour que tu leur parles encore ce soir. Let the Spirit of God speak to every mind that is connected now about this truth. Et que l'Esprit de Dieu parle à chacun d'entre nous connectés ce soir sur cette vérité biblique. I humbly hide myself behind the cross and let the Spirit of God be shown and manifested. Seigneur, je me cache derrière la croix, priant que ton esprit me saisisse et parle au travers de moi. Thank you, dear Lord. We accept this grace in Christ Jesus' name. Merci, Seigneur. Nous acceptons cette grâce au nom de Jésus. Amen. Amen. It is the truth that every human or mankind must be born into this planet Earth through a woman. C'est une vérité indéniable que toute personne vivant sur cette planète doit être née dans notre monde au travers d'une femme. I wonder any person who came into this planet Earth alive from the laboratory. Je me demande s'il y aurait sur cette terre ne serait-ce qu'une personne qui vit et qui est venue par un laboratoire. So far, even if the baby is cloned, there must be the eggs from the female and the male coming together somewhere to form a living being. Même si on doit cloner cet enfant, il faudrait quand même prendre l'ovule de la femme pour pouvoir rencontrer un spermatozoïde d'une manière chez une femme pour que ce fœtus soit formé. That is the word of God
becoming manifested. Et c'est là que nous comprenons l'essentiel de ce que la Bible enseigne. Because God gave man the power to procreate. Parce que Dieu a donné à l'homme la puissance de la procréation. But man became exposed to the mistake of Adam and Eve. Mais l'être humain a été exposé à l'erreur commise par Adam et Ève. And that condemned man to death. Et cela a condamné les humains à la mort éternelle. So, any human being that lives today or that will live on this planet Earth has two lives. Et tout être humain qui a vécu et qui vit dans ce monde a deux types de vie. Two practical lives. Deux vies pratiques. The old life, l'ancienne vie, the old man, l'ancien homme, the biological man, l'homme biologique, and then the second life, which is the new man, the new life, and the spiritual life. Et la deuxième, c'est le nouvel homme, cet homme spirituel, cet homme né de nouveau. That's why Apostle Paul advised us in Colossians chapter 3, verse 10, saying. Et c'est pour cela, dans Colossiens chapitre 3, le verset 10, l'apôtre Paul nous donne ce conseil. Whosoever that would wish to partake in the glory of the promise of Jesus Christ must put on the new man. Et toute personne qui voudrait participer dans la gloire de Dieu devrait porter sur lui cet homme nouveau. And what is this new man? He continued to say that it is the renewed knowledge after the image of him that created man. A renewed knowledge in Christ Jesus, who is the creator of you and I. Colossiens chapitre 3, le verset 10, et en revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. My beloved listener, what does that really mean? What was Brother Paul trying to tell us here? Alors, qu'est-ce que l'apôtre Paul est en train de nous enseigner ici? Paul was letting you and I know that we have someone who we must follow his footsteps so that we can become new from the old man of sin to the new man of faith. Et l'apôtre Paul veut simplement nous dire que nous devons suivre les traces d'une personne pour que nous puissions passer de l'ancien homme de péché à un homme nouveau qui mène une vie sanctifiée. We must follow his words, his actions, and his instructions. He had spoken to us in the Bible. We are expected to follow his words and his practices. Et il s'attend à ce que nous puissions suivre ses paroles telles qu'ils nous l'ont donné dans la Bible, de même que ses pratiques. Why? Pourquoi? You see, there is this story in the scriptures that we all know, how Brother Peter trying to walk on the waters when the disciples of Jesus were crossing the other side of Galilee, and Christ told his disciples, "You go ahead, I'm coming." And as they were in their little boat paddling across, there came a storm. And then, alors, la Bible nous donne cette histoire de Jésus avec ses disciples qui voyageaient sur la mer allant de l'autre côté de la rive. Et alors qu'ils étaient sur l'eau, a surgi une tempête. We know that story. As they looked out right on the sea, it was hazy and it was getting dark. And look at this. And then
Peter saw the disciples of Jesus saw someone walking on the water, coming closer to them. Alors, dans cette crainte, lorsque le ciel s'assombrissait et que tout devenait noir autour d'eux, soudainement, ils ont vu une image de quelqu'un qui venait sur les eaux en leur direction. That was frightening, isn't it? If you were the one, you'd also be afraid. Et si vous étiez à leur bras, certainement que vous auriez aussi eu peur. So they shouted, it's like they have seen a ghost, and they were afraid. Ils ont crié. C'est comme ils avaient vu un fantôme et ils ont crié. And Jesus told them, "May you don't be afraid. It is me coming. I am Jesus, one of you, your master." Quickly, Peter heard him and said, "Oh, master, if you be the one, yeah." Can I come walking like you on the waters? Et Jésus, Pierre, l'ayant vu, a demandé, mais Seigneur, si c'est toi, peux-tu permettre que je vienne à toi? Parce que Jésus leur a dit qu'il était lui, Jésus qui le voyait arriver dans la direction. And Jesus allowed him. Christ asked him, yes, you come on, Peter, come walk. Et Jésus lui a dit, mais Pierre, viens vers moi. It's true that is a story written in the scriptures, but that story is trying to remind us, trying to inform us that we must walk on Christ's footsteps for us to declare the glory and the new person in Christ in us. Et cette histoire nous rappelle que nous devons marcher sur les traces de Jésus. Tel qu'il a fait, tout ce qu'il a fait, pratiquer cela tel que lui-même l'a démontré. Without Christ, man is nothing. Without Jesus, you and I are nothing. Without following his footsteps, putting our feet where he left his own, we are all condemned. Sans Jésus, nous ne sommes rien. Sans marcher sur les traces de Jésus, nous ne saurions absolument rien faire. Romans chapter 3, verse 23 reminds us that all have sinned and fall short of the glory of God. And for that reason, we need a model. Et Romains chapitre 3, verset 23 nous rappelle que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et pour cette raison, nous avons besoin d'un modèle. So every man born of a woman that has the blood in him that runs in his veins is a condemned sinner. You and I, we are condemned sinners. Alors, toute personne née d'une femme est un pécheur condamné. The disobedience of Adam condemned humanity. L'obéissance d'Adam a condamné toute l'humanité. So there is no amount of church service you will attend, or there is no struggle in keeping the Ten Commandments that you can save you. Alors, il n'y a pas, ce n'est pas possible de dire je vais aller à l'église, je fais tel bien, tout ce que tu fais, rien de cela ne peut te sauver. Remember that we had already said that the law cannot save you. It is only Jesus Christ who can save you and give you a new life. Et souvenez-vous, on l'a déjà étudié, la loi ne peut pas vous sauver. Seule votre foi en Jésus peut vous sauver. We are born into sin, and we are born with sin, and we are born in sin. Nous sommes conçus dans le péché. Nous naissons dans le péché, nous vivons dans le péché. And Romans 6, 23 reminds us that the wages of sin is death. Nous rappelle Romains 6, 23, car le salaire du péché, c'est la mort. Therefore, every human being that lives in his old person, in his natural life, is a condemned person and is a dead man or woman. Good and the bad, the righteous and the sinful, will definitely sleep if it pleases God. No, that's not the death we're talking about. Oh, nous ne sommes pas en train de parler de cette mort que tout le monde voit quand on dort et la personne ne se réveille pas. Non, c'est pas de cette première mort dont nous parlons. We are talking about the eternal death, the death that is
the judgment to those who wouldn't follow the footsteps and the principles that's been laid down by Jesus Christ. Mais nous parlons d'une mort qui sera éternelle pour ces personnes qui n'ont pas choisi de suivre les traces de Jésus telles qu'enseignées dans la Bible. So, if you decide, because that has to do with your choice, if you decide not to walk as Jesus walked and to keep his instructions, then it means that you have decided not to partake in the redemption that he's brought to us and to get into the newness of life that is only found in Christ Jesus. Alors, si tu choisis de ne pas marcher sur tes traces, sur ces traces, de faire exactement ce que tu as dit, c'est que tu as choisi le chemin de la mort, de la destruction totale. So from where we have read so far, that gives us the title of our message tonight, which is New Life in Christ. Amen. Et ce que nous avons vu et nous disons jusque-là nous conduit au thème de ce soir, une nouvelle vie en Jésus. As we live in this sinful world, we are living in a world that everything in it is being condemned to destruction. There is the old man in us, the old man of anger, the old man of jealousy, the old man of telling lies, the old man of worshiping idols, the old man of fornication, the old man of arguing that which is right, the old man of hatred, the old man of gossip. Tonight, et de la manière dont nous vivons, naturellement, nous sommes pécheurs. Et cet état de pécheur en nous fait que nous vivions cette ancienne vie de mensonge, cette ancienne vie de fornicateur, cette ancienne vie de bagarreur, cette ancienne vie de pécheur. Mais ce soir, le Seigneur nous interpelle. To accept the new life in Christ Jesus. And it's only in him that you can find this new life. Accepter la nouvelle vie en Jésus-Christ, cette vie que nous trouvons seule en lui. In Genesis chapter 5 into chapter 6. Et en lisant la Bible de Genèse chapitre 5 à Genèse chapitre 6. A story is captured there when God saw that the heart of man thinks only evil and his imaginations therein were all wickedness. La Bible dit que lorsque Dieu réalisa que la vie des hommes était tous tournée vers le mal. So God decided to wipe away the human race of that time. Dieu a décidé d'effacer ceux qui vivaient sur la terre en ce moment. But there was only one man that found favor before God, and his name was Noah. Il y avait un homme, seul ce monsieur a eu trouvé grâce auprès de l'Éternel et il s'appelait Noé. Now you know the story. The moment God had that contact to humanity through Noah, God gave him an assignment. Et vous connaissez bien cette histoire. Lorsque Dieu est rentré en contact à l'humanité à travers Noé, Dieu lui a confié une mission. You have to build an ark. And all those who will agree to work on this very assignment with you shall be saved from the dilemma, shall be saved from the destruction that is coming. Alors Dieu leur a dit, tu vas construire un arche et tous ceux qui vont accepter mon plan vont rentrer dans cette arche pour être sauvés. That is like what we are about doing right now, bringing to you the good news of getting a new life in Christ, where you decide not to join in the building of this ark, there is a pending destruction. Et c'est la même chose que nous faisons en vous apportant cette bonne nouvelle, en vous associant à construire cette ark spirituelle pour votre salut. You and I must not play with this second chance that God is giving to us. Vous et moi ne devons pas jouer avec cette deuxième chance que le Seigneur nous accorde.
You know, because we are not better than all our mates or those who have died. We are not better than them, but we are just alive because God has decided to give us a second chance of repentance. Et chers amis, nous ne sommes pas meilleurs à nos amis qui sont décédés, mais Dieu, dans sa grâce infinie, nous offre l'opportunité d'une seconde chance. For the wages of sin is death. Car le salaire du péché est la mort. We all and humankind are like those who are in the prison cell of Satan. We have been all arrested by sin, and we are in the guardroom that Satan has built. We are asking for a state pardon from God himself. Oh, mes amis, nous sommes des pécheurs. Nous sommes comme emprisonnés dans une prison de Satan, besoin du pardon de Dieu. Et c'est ce pardon de Dieu que nous réclamons, nous demandons. Mankind is captured. Men and women are captured by sinful forces of Satan. But praise God that at the fullness of time, the Bible reminds us in Galatians 4:4, man received a state pardon in the coming of Jesus Christ. Cher ami, l'homme était sous le joug de la vie de péché, mais la bonne nouvelle, telle que la Bible nous le dit dans Galates chapitre 4, verset 4, mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils né d'une femme née sous la loi et il est venu pour notre salut. So Jesus came like the captain of the Lord's army. He came from heaven. He came to this planet. He took our nature. Then he allowed himself to be crucified. He went to the grave and there he fought Satan. He took from him the keys of death and life and the key of the ages. It's like when he got in there, he broke the prison doors and released humanity out from the cell of Satan. Alors Jésus est descendu sur cette terre. Il a mené sa vie. Il est mort. Et dans cette mort, il a pris la clé des morts. Il a détruit tout ce qui était la mort. Et il est ressuscité. Et à travers cela, il offre cette vie à tous ceux qui l'acceptent. Imagine when somebody has been imprisoned and the person is serving a life sentence. And imaginez quelqu'un qui est emprisonné et qui doit subir une sentence à mort. And the president of the country, maybe an Independence Day of that nation, decides to grant the pardon to prisoners, and you are lucky to be one of those who have been released from prison. Will you say no? I don't want to leave this place. I want alors, to remain imaginez a prisoner. Si quelqu'un est condamné à vie et alors qu'il croupit en prison, peut-être c'est le jour de l'indépendance et le chef de l'État décide de le gracier. Va-t-il refuser cette grâce présidentielle pour croupir en prison? Non. To free the prisoner, will jump up in joy, and then who leave the prison cells will like to go back and get reunited with his family and his friends and be free once again. Et certainement que cet ami va sortir de cette prison dans une grande joie. Il partira pour s'unir aux autres membres de sa famille et va mener une vie de joie avec les autres. That's exactly our situation now. Et c'est là, chers amis, notre situation actuellement. That is your situation, my brother. That is your situation, my sister. Et for ma soeur, all mon have frère. Sinned, for we all have sinned and come short of the glory of God. We need to capture the state pardon that God has given to us through the death and resurrection of Jesus Christ. Oui, cher ami, comme l'apôtre Paul l'a dit, tous, nous avons péché, nous sommes privés de la gloire de Dieu. Nous devons saisir cette main tendue de Jésus qui nous offre ce salut en ce moment. Praise God. Bénissons le Seigneur. Verse 21, the Bible says, dans Matthieu chapitre 1, le verset 21, la Bible dit, and she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus. For he shall save his people from their sins. That is one of the primary assignments
of Jesus Christ. Matthieu chapitre 1, verset 21, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Voilà une des raisons pour lesquelles Jésus est venu parmi nous. Then, what is sin? Alors, qu'est-ce que le péché? I've already said this, but let me just mention this briefly, that sin is nothing but the transgression of the word of God. Alors, simplement, la définition du péché, c'est la transgression de la parole de Dieu. So, if sin is a transgression of the word of God, and Jesus has been given to us as a promise and a blessing to save God's people from their sins, why then would you miss this chance again? Alors, si le péché est la transgression de la loi de Dieu et que Jésus a été donné, nous a été donné pour notre salut, mais pourquoi vas-tu rater cette opportunité? You know, to the glory of God, salvation is through Christ Jesus, and it's a global grace given to every human being. But you and I need to do something. We have to play a role in harnessing this opportunity. Le salut est par grâce, c'est une faveur, c'est gratuit et nous l'avons à travers Jésus. Mais sachez une chose, vous et moi, nous avons un rôle à jouer là-dedans. What is that we need to do? Alors, que devons-nous faire de notre part? So that we can participate in this wonderful grace that has been given to sinners like us. Et pour pouvoir participer dans cette grâce merveilleuse et accordée aux pécheurs comme vous et moi. Oh, I felt so glad when I read this from John chapter 3, verse 16. I was so happy because the Lord had said, for God so loved the world, for God so loved Kingsley and you by your name, that he gave his only begotten son. For God so loved Pastor Salem, that he gave his only begotten son. For God so loved you and I, that he gave his only begotten son, that whosoever accepts this privilege, believes in him, shall not perish, but have the life we are talking about here. Et c'est pour cela, quand j'ai lu ce texte, Jean chapitre 3, le verset 16, car Dieu a tant aimé le monde, Dieu a tant aimé Selom, Dieu a tant aimé Kingsley, Dieu t'a tant aimé et qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. This is the Jesus Christ we are bringing to you, the risen Savior who died and resurrected, so that we shall live eternal with him in the kingdom of God. Et c'est ce Jésus que nous te présentons en ce moment, pour que vous et moi nous puissions vivre et l'éternité avec lui. The grace has been brought to you. The great grace has been made available to you, but it's only going to be useful and effective, and it's going to be saving to your life when you decide to accept it. La grâce de Dieu s'est déjà manifestée. Elle est déjà gratuite, mais elle sera bénéfique pour vous si et seulement si vous êtes disposé à l'accepter, à la saisir. Please don't say no to this wonderful invitation that the Holy Spirit is giving to you. Je vous supplie, ne dites pas non à cette invitation merveilleuse que le Saint-Esprit vous tend. This is like a state pardon given to a prisoner by the head of state. Don't decide to remain in the prison cell and the prison of sin. C'est exactement comme une grâce présidentielle qu'un chef d'État accorde à quelqu'un en prison. Cher ami, ne choisis pas de demeurer dans ta prison. John chapter 14, verse 6 has reminded us that Jesus Christ, who is the way, the truth, and the life, has come and opened the prison gates and is calling all of us sinners, saying, come unto me, all who are heavy laden, I will give you rest and peace that surpasses human understanding.
Et la Bible nous rappelle dans Jean 14, le verset 6, que Jésus, qui est le chemin, la vérité et la vie, nous a fait sortir, nous donne l'opportunité de sortir de nos vies de péché pour que nous ayons la vie éternelle en lui. I believe that you agree with me that Jesus Christ is the way. Et je crois que vous serez d'accord avec moi que Jésus est le chemin. I believe that you agree with the word of God that there is no other way but only in Christ Jesus. Je veux croire que tu acceptes ce que la parole de Dieu dit, qu'il n'y a pas d'autre chemin à part Jésus-Christ. So what does that mean? Cela voudrait dire quoi? Christ as the way, only way, simply means that he came to fulfill all righteousness. Jésus étant le seul chemin va signifier aussi qu'il est venu pour accomplir toute la justice de Dieu. He came to teach us, to direct us on what to do to be declared righteous. Il est venu nous montrer ce que nous devons faire pour être déclarés justes. And that's why he beckoned on Peter to come onto the water and walk on the sea, putting the sole of his feet on where Jesus lifted his own. And that was the only time Peter could be sustained on the water. Imagine that. That's the greatest miracle any human had ever done. Only when Peter followed the footsteps of Jesus. So we are respected. You and I are respected. If we must walk on the water of life, you are expected to follow the footsteps of Jesus Christ as the way. It's only the time you can really walk on the right way. Alors, si nous voulons aussi marcher sur les eaux de la vie, nous devons être disposés à marcher sur les traces de Jésus, sur le modèle que Jésus nous a laissé. Et c'est justement ce qu'il avait invité Pierre à faire. En marchant sur ces traces, il réussirait. No wonder. I found that was something very important. In Matthew chapter 5, verse 17, if you read that, in the Jesus was talking about trying to answer the question about the law and the prophets. And he said, no, he's never come to destroy the law and the prophets, but to fulfill it. Christ was talking about using the word fulfill. He has a mission to make our righteousness complete. Alors, comme vous vous souvenez, dans Matthieu chapitre 5, à partir du verset 17 à 1, Jésus a rappelé qu'il n'est pas venu abolir la loi, mais il est venu pour accomplir. Alors, Jésus est venu accomplir un certain nombre de choses. Now, if you read Matthew chapter 4, Matthew chapter 3, before I go to chapter 4, from verse 13. Matthieu chapitre 3, verset 13. Very important. Yes, il y a une histoire ici. Matthieu chapitre 3. Then cometh Jesus from Galilee to Jordan unto John to be baptized of him. But John forbid him, saying, I have need for you to baptize me. How cometh you to me to be baptized? Imagine. Jean chapitre 3, le verset 13 et 14. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait. Et disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi, et tu viens à moi. Now, listening to what Jesus answered him, to Christ responding in verse 15, and he says, and Jesus verset 15, answered, la réponse de Jésus. Jesus answered and said unto him, Jésus lui répondit, suffer it to be so now, for thus it becometh us to fulfill all righteousness. Christ is also emphasizing on the importance of fulfilling all righteousness. Alors Jésus répondit au verset 15, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Alors je mets l'accent, Jésus lui-même le dit, et ce qui est convenable, ce qui est juste doit être fait. We know the rest of the story. When John heard that, John quickly had to baptize Jesus so that a sample of a step that every believer in Christ must take before that one will experience a new life in Christ must be established and fulfilled in our lives as we do that daily, including now. Alors, vous connaissez comment l'histoire s'est terminée. Jean a accepté de baptiser Jésus et Jésus a fait cela pour que cela soit un exemple, pour montrer à toute l'humanité
ce que chaque personne vivant dans ce monde de péché devrait faire selon le modèle que lui-même nous a laissé. So we are talking about the new life in Christ, which is established when you and I accept Jesus Christ as our Lord and personal Savior and walk into the water as Jesus walked from Galilee to River Jordan and demanded to be baptized by John. And John asked Jesus, no, you need to baptize me. Two of them were exchanging words in the water of who will baptize the other. Look at that. Alors, nous sommes en train de parler de ce qui s'est passé justement lorsque Jésus a quitté la Galilée, il est venu pour se faire baptiser. Et il y a eu cet échange de paroles et parce que Jésus voulait montrer exactement ce qui devait être fait. Et lui et Jean, ils ont échangé au sujet de qui doit baptiser qui. That is a very spiritual assignment. It's a very spiritual responsibility that unless you decide and take to do that, Jesus answered Nicodemus to say, unless you are born again of water, you can't even see the kingdom of God. You don't even think of entering into it. Et ce dont nous parlons est si important. C'est pour cela que Jésus a donné l'exemple. Et justement, avant cela, la Bible parle également de Nicodème qui est venu voir Jésus et Jésus lui disait, si tu ne te fais pas baptiser d'eau et d'esprit, tu ne peux voir le royaume des cieux. That's why we had a Bible test. Why did Jesus answer that to Nicodemus? Why? Mais pourquoi Jésus a-t-il donné cette réponse à Nicodème de cette manière? Christ was giving Nicodemus, the very wise man of the Hebrew family, the absolute truth because Christ is the truth. He is the way. He is the truth. So he had to tell us what is the truth. Alors Jésus étant le chemin, la vérité, la vie, disait à Nicodème la vérité absolue, ce qu'il devait faire. As a life Christ is, he conquered death and gave whosoever that will confess him as a Lord and personal Savior, the hope and assurance of eternal life. Therefore, I intend to introduce to you the master who you must follow his footsteps and obey his words to enter into eternal life. Alors Jésus, et qui est aussi la vie, c'est Jésus qui a vaincu la mort, nous offre cette vie éternelle. Et comment nous allons accéder à cette vie, exactement comme lui-même l'a démontré pour l'humanité? Jesus answered and said to him, to Nicodemus, verily, verily, I say unto thee, except a man be born again. And you know, in this very context, when the Bible says a man, the Bible means men and women. Except men and women be born again, he cannot see the kingdom of God. John. Alors, dans la conversation de Jésus et Nicodème, il lui dit dans Jean chapitre 3, le verset 3, Jésus répondit, en vérité, si un homme ne naît de nouveau, et comprenez bien, quand on dit un homme, c'est générique, un homme, une femme, ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. My brother and my sister, our beloved prospects, the Bible is explaining this fact to us clearly that without baptism, your righteousness is not perfect. Your righteousness is not complete. And something will bridge a very serious gap between you and eternal life if you have not publicly confessed to the world that Jesus Christ has become your Lord and personal Savior. Alors, si tu ne nais pas de nouveau, tu ne nais pas d'eau d'esprit comme la Bible enseigne, quelque chose va manquer dans l'univers. Tu n'es pas reconnu comme l'enfant véritable de Dieu. Quelque chose va manquer. In verse 4, the Bible says, Nicodemus said unto him, how can a man be born again, he said? Can he enter the second time into his mother's womb and be born? Verse 5, Jesus answered, verily I say unto you, except a man be born of water
and of the Spirit, Christ mentioned the two instruments of baptism. The two instruments of baptism, water and the Spirit. He cannot enter into the kingdom of God. Et le verset 4 nous dit, et 5, Nicodème lui répondit, mais comment un homme peut-il naître quand il est déjà vieux? Peut-il encore rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, deux choses, naître d'eau et d'esprit, deux éléments fondamentaux dans notre union, dans notre changement avec Dieu, deux choses dont il est question ici, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. We have the story there in Matthew chapter 3. You find the way after Jesus had been baptized, as he was walking out from the water, the heavens opened and there was a voice from heaven declaring Jesus the Son of God. And from then he walked into the wilderness and he was tempted of the devil. That means that one thing that can empower you, that can give you the power and the strength to overcome Satan and to resist the devil, is passing through water baptism that will attract the Spirit of God upon your head. Dans Matthieu chapitre 3, à partir du verset 16, on nous dit que dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe sur lui. Jésus a été baptisé et le Saint-Esprit est descendu sur lui et il a continué sa vie. Et quand vous lisez après, il est parti au désert et c'est là que l'ennemi est venu pour le tenter. Et chers amis, ce que nous devons comprendre, nous avons besoin de commencer notre nouvelle vie avec Dieu à travers le baptême comme Jésus l'a fait. You know, the reason Jesus had to walk into the Sea of Galilee to be baptized. Otherwise, he could have given instruction and just teaches to us as a teaching. You go and baptize. The reason he walked into the water and got baptized himself was to make it an established order. As Brother Paul explaining to the church at Galatia in chapter 3 of his book to the Galatians, verse 27 saying, for as many of you as have baptized into Christ have put on Christ. So Jesus walked into the water so that whosoever that will also as well walk into the water. The moment you get into the water, dipped into the water, and you are out, you are raised in a union of life with Christ. And as soon as you are raised up from the water, you have automatically put on Jesus Christ. That's what it means. Et cela voudra dire que toute personne qui vient doit faire ce que Jésus a fait. Jésus pouvait lui-même simplement marcher, aller au Jourdain, se faire baptiser lui-même, mais il a fait exactement ce que chacun de nous devrait faire pour nous donner l'exemple, parce que dans Galates chapitre 3, le verset 27, la Bible nous dit que vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Donc Jésus voulait donner un modèle, un exemple pour que tous ceux qui sont humains vivant sur cette terre suivent cette trace en se faisant baptiser d'eau, exactement comme lui-même l'a fait. Romans chapter 13 verse 14 also added saying, but put you on the Lord Jesus Christ and make not provision for the flesh to fulfill the lust thereof. Et alors, Romains chapitre 13 aussi nous invite à pouvoir porter Jésus-Christ pour ne pas faire montre de l'amour du monde, mais vous revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. So, Romans 13:14 is telling us that if you put on Christ Jesus through water baptism, you now have the power to overcome the push, the lust of flesh, and then you wouldn't fulfill the lust thereof. So it's important that every believer in Christ must pass through water baptism, if you have not, to be able to acquire the power to resist temptations. Alors, comme il le dit, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ pour pouvoir avoir la force nécessaire pour marcher avec lui. Cela nous rassure, cela nous enseigne que chacun d'entre nous, en se faisant baptiser comme Jésus l'a fait, revêt alors Jésus pour pouvoir marcher en nouveauté de vie, une vie qui puisse glorifier le nom de Dieu.
Colossians chapter 3 verse 1 added saying, if you then be risen with Christ after walking into the water and you're dipped into the water, which symbolizes burying your sin, if you are now raised up with Christ, which is a sign of resurrection, the Bible says, seek those things which are above, where Christ seated in the right hand of God. That means you are now expected to be a different man and a different woman. You are no longer expected to live in your old life. En Colossiens chapitre 3, renchérit le verset 1 nous disant que si donc vous êtes ressuscité avec Christ, recherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. That is very important. Et c'est si important. Paul is calling on you and I now. Paul nous invite, vous et moi. Where Paul in Acts of Apostles chapter 2 verse 38, sorry, Brother Peter then reminded those believers and those who were hearing them at that moment of the meeting, saying to them, what else will you delay for? Repent now and be baptized, every one of you, just only in one name. And that's what I want to underscore here, in the name of Jesus Christ, because himself had been baptized as well. Then our sins, your sins shall be remitted, shall be washed away. You shall receive the gift of the Holy Spirit. The importance of baptism. Peter emphasized this greatly. We need the water baptism for our sins to be cleansed and for us to be empowered by the presence of the Holy Spirit. Alors, pour ceux qui ont écouté la parole de Dieu, Pierre, le jour de la Pentecôte, leur disait dans Acte chapitre 2, le verset 38, Pierre leur répondit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus. Chacun doit se faire baptiser exactement comme Jésus l'a fait. Pour quelle raison? À cause du péché, du pardon de votre péché, pour que vos péchés vous soient pardonnés. Et quel sera l'autre résultat? Et vous recevrez le don du Saint-Esprit, exactement comme Jésus a reçu ce don. Please, my beloved listener, it's very important that I have to define baptism. We need to define because there are two major definitions of baptism today in the world, and we have to get that. Number one, what we call the Christian definition of baptism and the Bible definition of baptism. Nous devons comprendre ce que c'est que le baptême. Nous devons définir ce concept parce qu'aujourd'hui, nous avons deux courants. Nous avons ce que la Bible définit comme baptême, ce que la chrétienté définit comme baptême. So let's see which of these two definitions should be accepted and be followed. Number one. Alors, numéro un, allons voir laquelle des deux doit être suivie et acceptée. The Christian definition of baptism goes this way. Les chrétiens définissent le baptême ainsi. Baptism is a Christian rite of admission and adoption amongst almost invariable with the use of water into Christianity. Alors, c'est un rite chrétien par lequel les gens deviennent membres du peuple de Dieu à travers le baptême d'eau, l'usage de l'eau. The definition continues saying, baptism may be performed by sprinkling or pouring of water on the head or by immersing on water, either partially or completely. Baptism can be done by pouring or sprinkling or by immersing some part of the body in the water, as it may be. We got this definition from Rules of Wikipedia. Alors, et Wikipedia dit que ce baptême peut se faire par aspersion, en mettant de l'eau, versant de l'eau sur la tête, ou carrément en plongeant la personne de l'eau. C'est Wikipedia qui le définit de cette manière. Yeah, this is exactly what a Christian family is practicing today. Et c'est ce que la famille chrétienne pratique aujourd'hui. By pouring, or by sprinkling, or by touching. On verse de l'eau par aspersion sur la personne, ou on verse carrément l'eau à la personne. My dear brother and sister, if you were baptized by pouring
or sprinkling or touching, you are not yet baptized. I'm sorry si to say that. On t'a juste versé quelques gouttes d'eau sur le front ou on t'a versé l'eau sur la tête, je peux te rassurer, cher ami qui me suit, tu n'es pas encore baptisé. Because something is wrong with those methods of baptism. Jesus parce que quelque chose. Quelque chose manque, quelque chose fait défaut. Jésus n'a pas été baptisé de cette manière. Jésus l'a pas pratiqué ainsi. If we have somebody we are following, who claims and who says and who tells us and who we believe that he is the way, the truth and the life, why do we do what he didn't do? Alors, si nous proclamons suivre Jésus, celui qui nous a dit il est le chemin, la vérité et la vie, mais pourquoi faire ce que lui, Jésus, n'a pas fait? Why do you believe in what he didn't teach you? Mais pourquoi crois-tu en ce que Jésus ne t'a jamais enseigné de faire? Let's see what the Bible defines baptism to be. In Romans alors, chapter 6 verse 4. Nous allons voir la définition biblique du baptême dans Romains chapitre 6. Verse 4, my pastor. The Bible says. Verset 4. Therefore, we are buried with him by baptism into death, that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. Romains chapitre 6, le verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père de même, nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. This is the type of baptism that Jesus did. Baptism, et c'est là le type de baptême que Jésus a fait. Il fut plongé par immersion dans une rivière. Not by sprinkling. Not by pas par aspersion, pas par effusion. Not by dipping part of the body in the water. Pas en mettant une partie du corps dans l'eau, mais tout le corps doit être enseveli dans l'eau. My dear brother and sister, our dear prospects, all those who are listening to me this evening, we want to encourage you to go by the Bible definition of baptism and have that and believe and practice that, please. Et chers amis, vous qui nous suivez, nous voulons vous encourager à suivre la définition biblique du baptême, à vous faire plonger dans l'eau exactement comme Jésus l'a démontré. Baptism is simply accepting Jesus as your Lord and personal Savior. Then when you've done that, you are showing that you are dead when you are being buried in the water, and when you are being raised again, you are rising again in newness of life, resurrected with Jesus Christ, and that confirms your declaration to Jesus as your Savior. Alors, le baptême biblique, c'est d'accepter Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel, de descendre dans l'eau exactement comme Jésus est descendu, tu meurs dans l'eau, et quand tu ressors de l'eau, tu ressuscites symboliquement avec Jésus en nouveauté de vie, exactement comme lui-même l'a démontré. In Acts of the Apostles chapter 8, if you read from verse 26 to 40, you will read the story there, what happened between the Ethiopian eunuch and Philip. Et quand vous lisez dans Actes chapitre 8, à partir du verset 26, vous allez voir ce qui s'est passé, l'histoire entre l'eunuque éthiopien et Philippe. This brother, this Ethiopian eunuch, was studying the Bible. He was coming from a spiritual exercise. He went to Jerusalem, going back to Ethiopia. Alors, cet eunuque éthiopien est venu à Jérusalem. Il a payé une portion de la Bible et il lisait, il étudiait cela lorsqu'il était en chemin retournant en Éthiopie. And in his car, he was studying the Bible, and the Lord spoke to the servant of God and said, walk down this road, you will meet a man who is ready for baptism. Alors, alors que ce ministre étudiait la Bible dans son char, Dieu a parlé à Philippe, descends sur ce chemin, tu vas rencontrer un monsieur dans un char, il est prêt pour se faire baptiser. Philip quickly did that, and when Philip got to him, he said, do you understand what you read? And he said, how do I understand if nobody teaches me? Et Philippe lui a demandé, mais monsieur, comprenez-vous ce que vous écoutez, vous étudiez? Il dit, non, comment vais-je le comprendre si personne ne me l'explique?
The moment there was this understanding, brothers and sisters, our dear prospects, that's why for 30 days you were studying the Bible with our brothers and our sisters in your various Bible study units. That's why we have been going through this series since these 5 days. And that's why we are calling on you today, now that you understand that baptism is not by pouring. Baptism is not by sprinkling. Baptism is not by touching. It's not by immersing half of the body. Baptism is by deep body deepening into the water by a full immersion. Now that you understand, what will stop you from surrendering to full water baptism? A compris et a pris une décision fondamentale. C'est pour cela que, chers amis, depuis près d'un mois, nous étudions dans différents sites au sujet de la parole de Dieu. Et cette semaine, depuis le début de la semaine, soir après soir, nous étudions la parole de Dieu. Et ce soir, la parole de Dieu te le dit de façon claire, que le baptême ne se fait pas par aspersion, par infusion, par ablution ou par en mettant une petite partie du corps dans l'eau, mais c'est par et immersion, tout le corps doit être plongé dans l'eau. Alors, si tu l'as compris, quelle est ta décision? Qu'est-ce qui t'empêche d'avancer pour ça? There is need for much water for a baptism to be conducted. Pour qu'on puisse baptiser selon la Bible, il faut beaucoup d'eau. John chapter 3, verse 23, the Bible says. Et Jean chapitre 3, le verset 33, la Bible dit. Now John also was baptizing at a place called Enam near Salim. Why? Because there was plenty of water and the people were coming and being baptized. Alors, Jean chapitre 3, le verset 23, Jean aussi baptisait à Enam près de Salim. Pourquoi? Parce qu'il y avait là beaucoup d'eau. Notez bien, beaucoup d'eau. Et on y venait pour être baptisé. The water was not put in a washing basin or in a smaller cup and be touching or sprinkling or pouring. No, the Bible says you need much water for a baptism to be. Alors, on n'avait pas mis l'eau juste dans un verre ou dans une bassine, dans une cuvette pour pouvoir baptiser les gens. Non, la Bible dit. Ah, et non, pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup d'eau. Pour faire le baptême biblique, il faut beaucoup d'eau pour pouvoir plonger la personne. You need enough water to bury the one you are baptizing, the one who is dead to sin. Because Brother Paul in his letter to the Romans chapter 6, verses 3 and 4 added saying, or don't you know that all who also were baptized into Jesus Christ, we are baptized into his death. Verse 4, we are therefore buried with him through baptism into the death, in order that just as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, we too may live a new life. Alors, vous avez besoin de beaucoup d'eau parce que en plongeant cette personne, la personne doit mourir en disparaissant dans toute l'eau. Et c'est justement le sens là que nous trouvons dans Romains chapitre 6. Notez bien, versets 3 et 4, la Bible dit, ignorez-vous que vous tous qui avez été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Amen. For a baptism to be conducted, a true baptism to be conducted, there must be a deep into a water, inside a water. It mustn't be touched, it mustn't be poured, it mustn't be sprinkled. Alors, pour qu'on puisse parler du véritable baptême, qu'est-ce qu'il nous faut? Il faut que la personne soit plongée totalement, disparaisse sous l'eau pour sortir de l'eau. Cela n'est pas par infusion ou par toute autre forme de baptême en versant de l'eau sur la tête, non. Quickly, let me tell you, 6 reasons why there must be a water baptism for every Christian believer. 6 reasons quickly. Permettez que je vous donne 6 raisons pour lesquelles vous devez, tout chrétien qui croit être né de nouveau, qui veut suivre Jésus, doit se faire baptiser. Number 1, for the remission of your sins and my sins. Et numéro 1, pour le pardon de vos péchés et de mes péchés.
You find that in Acts chapter 2, verse 38. Et Acts chapitre 2, le verset 38. Number two, for you to have eternal life and I to have eternal Donc, life. Pour que vous et moi nous ayons la vie éternelle, c'est la deuxième raison. We find that in John chapter 3, verses 3 to 5. Et Jean chapitre 4, versets 4 et 5. Number three, for us to be able to put the true nature of Christ. Et troisième raison, pour que nous puissions porter sur nous la vraie nature de Jésus. We find that in Galatians chapter 3, verse 27. Et Galates 3, verset 27. Four, to be able to understand the word of God. Et quatre, pour que nous puissions comprendre davantage la parole de Dieu. We find that in Matthew chapter 28, 19 and 20. Matthieu 28, verset 19 et 20. Number five, to be able to overcome carnal influence and lust. Et cinquième raison, pour pouvoir avoir la victoire sur la convoitise de la chair. We find that in Galatians chapter 5, verse 19. Et Galates 5, verset 19. Number six, to receive a healing to our sicknesses and diseases. Pour pouvoir avoir la guérison pour nos maladies. You must pass through that submission to the taking over of your whole body by the Spirit of God. Et nous devons traverser cette expérience qui nous permet de pouvoir totalement remettre tous nos corps, confier ça à Dieu. So when you are baptized, what are the basic effects of baptism? What will be the effects of baptism on the one? Alors, quels seront les effets du baptême sur la personne qui s'est fait baptiser? Number one, we die and rise in Christ. Alors, première chose, nous mourons et nous ressuscitons en Jésus. Number two, we are freed from the original sin, the sin deux, of Adam and nous Eve. Nous sommes libérés du péché original d'Adam et Ève commis. Number three, we become children of God. Nous devenons enfants de Dieu. Number four, we become raison, a member of the Christian church. Nous devenons membres de l'Église de Dieu. Ça, c'est le quatrième bénéfice que nous avons en When you are baptized, one of the effects of baptism is that you now receive the Holy Spirit of God in you. Oh, maintenant, tu reçois le Saint-Esprit de Dieu dans ta vie. Then, once you are baptized, you will publicly confess to the world that from today hence, I have accepted Jesus Christ as my Lord and personal Savior. Et une fois que vous vous faites baptiser, vous êtes en train de dire devant tout l'univers, j'ai désormais accepté Jésus comme mon Seigneur et Sauveur personnel. In this effect, you will be empowered to move out to share Jesus to others. You will now go into mission to spread the gospel of Jesus Christ. Et l'autre résultat est que maintenant vous avez la puissance pour aller et partager la bonne nouvelle de Jésus aux gens autour de vous. So you need baptism to be able to do these things. Vous avez besoin du baptême pour faire ces choses. Then when you are baptized and you are empowered by the indwelling presence of the Holy Spirit, you begin to bear fruits of baptism. What are the fruits of baptism? Alors, quand vous êtes baptisé, qu'est-ce qui se passe? Vous commencez maintenant par faire montre du fruit du Saint-Esprit. Just like we have the fruit of the Holy Spirit, what are the fruits of baptism? Therefore, and I give them to you. Vous allez démontrer les fruits du baptême. Et quels sont les fruits du baptême? Ils sont au nombre de quatre. Fulfilling all righteousness. When you are baptized, then you are sure now that your righteousness no longer belongs to you, but is the one in Christ Jesus. Your righteousness becomes well secured. Alors, votre justice est sécurisée et vous comprenez que cette justice est en Jésus-Christ, pas en vous-même. The second fruit of baptism, at that moment, you now be sure of the grace of justification. Alors, la deuxième chose, en ce moment, vous êtes rassuré du don de la justification. Oh, you become well exposed to the grace of sanctification. Et aussi, vous devenez exposé
à la grâce de la sanctification. Now you found out that there is now a new life in you. The old man of sin is buried in the water baptism. Et vous allez réaliser que votre ancienne vie est effacée. Vous avez une nouvelle vie qui vous est donnée après ce baptême d'eau. When you become a new creature, si vous devenez, quand vous devenez une nouvelle créature, what are the expectations that should be expected of you? Et il y a quatre choses qu'on attend de toi maintenant quand tu deviens une nouvelle créature en Jésus. Quatre choses. Number one, you would have confessed your sin, and then will be forgiven. Et quand tu as confessé tous tes péchés, ces péchés sont pardonnés. And then you will be willing to lead others to water baptism. Et tu auras le désir de conduire d'autres personnes vers ce baptême d'eau. Oh, they found out that the moment you are baptized, Acts chapter 17, verse 11 tells us that you will now behave more like the Bereans than the Thos in Thessalonica. You will be studying the word of God and have them in the readiness of your mind, and you'll be able to cite the scripture daily. Et à partir de ce moment, tu vas commencer par te comporter comme les Béréens dont la Bible nous parle dans le livre des Actes, parce que tu vas prendre le temps d'étudier quotidiennement la Bible, la parole de Dieu. The fourth expectation is that you will now follow the advice and the guidelines as have it in 1 Thessalonians chapter 5 verse 17. Pray without ceasing. Et comme nous l'avons dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 17, tu vas maintenant désirer prier parce que là, la Bible te le dit, prier sans cesse. Tu vas avoir une vie de prière. Jesus follow us. We are then the very first to believe. And then they would rather move around to the neighborhood preaching Jesus Christ and baptizing those who believe in him. Et chers amis, les disciples de Jésus étaient les premiers à croire. Ils ont accepté Jésus et ils sont rentrés dans leur voisinage. Ils ont commencé par parler de ce Jésus aux gens qui croyaient, qui suivaient aussi Jésus. The baptism of Jesus Christ celebrates his resurrection, because as soon as you are dipped into the water and you are raised up from the water, you are right in there celebrating the efficacy of the resurrection of our Lord Jesus Christ. Alors, cela aussi célèbre la résurrection de Jésus. Du moment où vous sortez de l'eau, comme Jésus est ressuscité, vous aussi vous célébrez votre résurrection au travers de Jésus. It's important that every believer in Christ must experience that spiritual resurrection through passing through water baptism. Et c'est important que chaque personne qui se réclame de Jésus doit passer par le baptême exactement comme Jésus lui-même l'a fait. Don't forget these points, brothers and sisters, as we conclude tonight, that alors que Jesus nous concluons Christ ce soir, is the way, the truth, and the life. N'oublie pas que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. That he walked to the Sea of Galilee and requested baptism from John himself. N'oublie pas que lui-même est venu au travers de la mer de Galilée, il est venu chez Jean demandant lui aussi à se faire baptiser. Jesus reminded Nicodemus that unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. N'oublie pas, Jésus a rappelé à Nicodème que si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. And that the type of baptism that the Bible recognizes and heaven recognizes is full body deep into the water by immersion, not by pouring, not by sprinkling, not by partial dipping, not by touching. Alors, n'oublie pas aussi que le baptême biblique dont il est question, ce n'est pas immersion, tout le corps est plongé dans l'eau. Ce n'est pas une partie du corps ou un peu de commun sur la terre. Non, tout le corps doit être plongé dans l'eau. Don't forget that the practice of baptism would not have been useful if resurrection had not been a central component to the Christian faith. Et n'oublie pas que le baptême biblique, ce concept ne serait pas complet s'il n'y avait pas de résurrection. C'est justement ce qui se passe quand on sort de cette eau. You can't be a follower of Jesus Christ
without passing through water baptism, without being baptized by immersion, in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Et vous ne sauriez être un enfant nouveau de Jésus si vous ne vous faites baptiser en vous plongeant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Which means that the Godhead is involved in the function of your salvation. The Godhead is involved in inviting you to eternal life. And that's why the scripture had said, for God so loved the world that he gave his only begotten son, that whosoever believes in him shall not perish. And one of the footsteps that Jesus had laid and given to us that you must follow tonight is to follow Jesus as he baptized in the river, in the Sea of Galilee, and give your life to water baptism. Et exactement comme Jésus l'a démontré, lui-même s'est baptisé. Quand on dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, cela veut dire quoi? Toute la divinité est impliquée. C'est pour cela que Jésus est venu vers Jean et s'est fait baptiser. Exactement, c'est ce que vous devez faire aussi en vous, en acceptant d'être plongé comme Jésus fut plongé. Tonight, Brother Peter is calling all of you, wherever you are listening from. Pierre nous interpelle où que nous soyons en train de suivre ce programme ce soir. It is what in Acts of Apostles chapter 2 verse 38, Brother Peter is asking you tonight, what do you wait for? Why do you delay? Rise up right now and surrender to this invitation. Get into water for baptism for your sins to be remitted. Alors, Pierre vous demande, à l'instar de ce qu'il a dit à ceux qui étaient là, alors qu'attendez-vous? Levez-vous et faites-vous baptiser, que chacun de vous se répande et se fasse baptiser au nom de Jésus à cause du pardon de vos péchés. Vous recevrez le don du Saint-Esprit. My brother and my sister, tonight, this is a special call and invitation to you by the Holy Spirit of God. If you have not been born again, if you have not been born again, if you have not been born again, if you have not been baptized by full immersion, if you have not been baptized in the name of the Father, Son, and Holy Spirit, if you are of age, of understanding of that which is good and evil, don't forget that Ethiopian eunuch was not a baby, was not a child. He was a matured person. He was an adult. If you are above age 13 and 14, and you can discern between good and evil, and you are not yet baptized by immersion, a call is coming straight to you, right wherever you are. Toi qui me suis ce soir, à l'instar de Pierre qui a demandé aux gens de se repentir et de se faire baptiser, le même appel te vient. Si toi, tu vois que tu es pécheur et que tu n'es pas encore baptisé, tu n'es pas encore plongé dans l'eau, je ne m'adresse pas aux enfants parce que dans l'expérience de l'eunuque, c'est une personne mûre. C'est des personnes qui ont plus de 13 ans, 14 ans, c'est de ces personnes je parle. Si tu as cet âge et toi-même tu réfléchis, tu vois ta vie, qu'on ne t'a pas baptisé dans l'eau, je ne parle pas de ceux à qui on a versé un peu d'eau sur le front, ce n'est pas un baptême. Et tu veux le faire exactement comme Jésus l'a fait en te faisant plonger. Si tu as cet âge-là, cet appel te vient ce soir. Please decide right now. For water baptism, decide now to be born Tu peux te mettre là où tu es. Et si tu le veux, mets-toi debout si tu veux prendre cette décision. Et nous allons prier pour vous. Et nous voulons prier pour vous. Nous voulons prier pour vous. Cameroon Union Mission, all around the country, Cameroon, wherever you are, and you can listen to us. An invitation is sent to you by the Holy Spirit. Cette invitation vous est donnée. Jesus Christ now. Donne ta vie à Jésus. For baptism. Élève-toi pour le baptême. You'll be baptized right where you are in your age. Et on pourra faire ce baptême là où vous êtes. Et vos frères et sœurs, les pasteurs là-bas vont vous baptiser. To God be the glory. I can see some brothers and sisters. Je vois certains qui se lèvent pour le baptême. Que le Seigneur vous bénisse. Que vous soyez et que vous vous levez pour le baptême, que le Seigneur vous bénisse. Je bénis le nom de l'Éternel pour vous, mon frère, ma sœur.
Stand up, tu peux te mettre debout là où tu es. Lève-toi pour que on puisse te baptiser aussi. Et le Seigneur te voit. Lève-toi où que tu sois, mon frère, ma soeur. Et nous allons prier pour vous. Nous allons prier pour vous. Praise God. Que le nom de l'Éternel soit béni. All those who are standing right now, I want to invite all of us to bow our heads. Et si vous êtes debout, je vous invite à baisser la tête. I will request that our dear colleague and brother, a fellow minister of the gospel, Pastor Valere, I want you to please pray for these brothers and sisters that I believe are standing for baptism this coming Saturday. Pray that the Lord will continue to teach them. Pasteur Assembe Valère prie pour ses frères et sœurs qui ont écouté le message afin que ce samedi, ils puissent aussi se faire baptiser comme la Bible le demande où que vous soyez. And pray for those who are going to decide between now and Saturday that will join these ones who are already standing for the Lord to speak to all of them. Et vous allez prier pour que le Seigneur les aide, ceux qui réfléchissent encore à prendre la décision d'ici le samedi et se faire baptiser comme cela se doit. Let's pray, Pastor. Pasteur Assembe, je ne vois pas votre micro. I'm not seeing his mic, but he's connected. Okay. He can't speak because there is no mic. Maybe somebody can. Right. I want someone to pray for these our people in French, and that's why I'm asking. Then, Pastor Yenge, if you are connected, please, can you lift your voice to God for these our brothers and sisters who are standing? Pastor Yenge, priez. Prions. Éternel, notre Dieu, notre tendre bon Père céleste, our Father, en un moment comme celui-ci, in a moment such as this, nos cœurs s'élèvent vers toi pour exalter ton nom qui est grand et majestueux. We are blessing your name, who is a mighty God. Merci d'avoir encore ce soir parlé à nos cœurs. Thank you for speaking to our heart through your servant this evening again. Merci de ce que ta parole est accompagnée de la puissance de l'Esprit Saint. Thank you because your word has been backed up with the power of the Holy Spirit. Notre Dieu, notre Père, nous reconnaissons notre indignité. Father, we recognize that we do not deserve anything. Nous avons été profondément marqués par notre nature pécheresse. And sin has really dealt with us. Mais nous te bénissons de ce que tu as toi-même donné ton Fils unique. But we thank you because you have given your own Son, Jesus Christ. Qui est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. He is the Lamb of God that taketh away the sin of the world. Et ce soir, tu nous appelles, tu nous fais la grâce d'être associés à ses mérites. And this evening, you are giving us the opportunity to be associated to his merit. Au mérite de son sacrifice à la croix du Calvaire. Oh, this sacrifice he offered at Calvary for us. Il est mort pour nous, il est mort à notre place. He died on our behalf. He died for us. Il a porté notre péché afin que nous ayons accès à sa justice. He bore our sin so that we can become righteous through him. Tu es le Dieu d'amour, mais tu es le Dieu de justice. You are the God of love, at the same time, the God of justice. Et à la croix du Calvaire, par le sacrifice de Jésus, tu as réconcilié ton amour et ta justice. And at Calvary, through Christ, you have united love and justice. Oh, notre Dieu, notre Père. Our Father and our God. Donne-nous d'avoir cet esprit d'humilité et d'abaissement. And give us this spirit of humility and also bringing ourselves down low. Afin que nous suivions les pas de celui qui a donné sa vie à la croix du Calvaire pour nous racheter. So that we can follow the steps of he who
gave his life to save us. De par les différents sites, notre Dieu. Oh Lord, you know the various places where people are listening to your word. Plusieurs de tes enfants ont écouté ce message de vie. And many people have listened to this word of life. Ce message de victoire et de triomphe sur le péché. And this message of victory and triumph over sin. Émus par ton esprit, ils ont répondu à l'appel que tu leur adresses par ton serviteur. And many have responded to the call you have extended to them through your servant. Ô Seigneur, ils veulent faire l'expérience du baptême. Father Lord, they want to experience the biblical baptism. Qui est l'expérience de la mort au péché et de la résurrection avec Jésus-Christ. Which is dying to sin and resurrecting with Jesus. Nous te les présentons ce soir. We commit them all to your care. Parce qu'ils se sont levés pour te confesser, Père. Oh Lord, because they got up to confess your name. Accepte-les dans ta miséricorde. Accept them in your mercy. Et au nom de Jésus-Christ. And in the name of Jesus. Ôte leur péché. Clean their sins. Et permet que ce soir même, ils le sachent que par Jésus-Christ, ils sont pardonnés et réconciliés avec toi. And let them realize right even from this evening that their sins have been forgiven and they are reconciled with you. Permet que déjà, ils fassent l'expérience de l'onction du Saint-Esprit. And help them to begin experiencing the anointing of the Holy Spirit. Et donne à ces hommes et à ces femmes qui t'ont accepté ce soir. And give this opportunity to those women and men who accepted you this evening. De te célébrer sabbat prochain publiquement. En to celebrate you next Sabbath as they will enter into the water baptism. Scelle tes enfants dans ton esprit. And seal your children in your spirit. Afin qu'au nom de Jésus-Christ, ils t'appartiennent aujourd'hui et jusque dans l'éternité. And so that through the work of the Holy Spirit, they will belong to you from today till eternity. Parce que nous t'avons ainsi prié par le nom et par les seuls mérites de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Because we have prayed through the worthy name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Amen. Thank you, Pastor Yenge. Thank you, Pastor Sesu. We want to. Merci, Pastor Yenge. Merci, Pastor Sesu. We'd like to inform all our pastors and our small group unit coordinators to please take down the names of all those who decided for baptism. Alors, nous voulons demander à tous nos pasteurs anciens de prendre le nom là où vous êtes de toutes ces personnes qui veulent se faire baptiser. We're going to have a celebration of baptism this Sabbath. Et nous aurons une célébration de baptême ce samedi prochain. And we have shared the information to our colleagues at the union. They know what to do. Et les dispositions sont déjà prises au niveau de l'union pour savoir quoi faire. Please, those who couldn't stand this evening, we pray that our small unit coordinators and our pastors to continue working with them, praying with them until they decide for baptism this Sabbath. Et ceux qui n'ont pas pu prendre la décision, continuez de travailler avec eux de sorte qu'ils puissent aussi, quand ils sont prêts, suivre Dieu dans ce qu'ils doivent faire. Tomorrow, we have a special prayer for a special group of people. Et demain, nous avons une prière spéciale pour un groupe spécial de personnes. Tomorrow, we are going to pray for our students in all our institutions in Cameroon. Demain, nous prierons pour tous les étudiants dans toutes nos institutions au Cameroun. Students in our university. Les étudiants dans notre université. À
Nagai Boko. Boko, our students in all our secondary schools, tomorrow is your day with the Lord. We're going nos étudiants dans toutes les écoles secondaires, même à Douala, l'université, nous allons prier pour vous spécialement demain. Please don't fail to connect tomorrow if you are a student resident in Cameroon Union Mission in the country Cameroon. Tomorrow we are going to bless you and bless your future. Et demain, si vous êtes étudiant sur le territoire camerounais, demain, soyez connectés parce que nous allons vous bénir et bénir votre avenir. Now, we want to pray for all those who feel sick in their physical body or in their spiritual body, who believe that the Lord Jesus has done it all and can give them healing. Alors, nous allons terminer ce soir en priant pour ceux qui souffrent dans la chair et qui réalisent qu'ils ont besoin que le Seigneur les touche et les guérisse. All I want you to do, wherever you are, in your house, in the church, if you feel sick and you want the Lord Jesus to touch you, I just want you to kneel down right wherever you are. Be on your knees, bow down your heads, believe that Jesus is passing around you now and is going to touch you with a touch of healing. Alors, où que vous vous trouvez, ce que je vous demande de faire en ce moment, si vous voulez recevoir cette prière pour la guérison, pour ceux qui sont malades, où que vous trouvez, mettez-vous à genoux et le Seigneur va vous visiter. Just believe that. Believe et croyez that par la foi que le Seigneur va vous visiter. Healing has a lot to do with faith. Just believe that you are. Et n'oubliez pas que quand on parle de guérison, c'est une affaire de foi. Ça a trait à la foi. And then from tomorrow morning, in fact, from this night, there will be testimonies on testimonies coming from you. Et à partir de cette nuit, il y aura des témoignages sur témoignages. Please bow your head, kneel down. Et baissez votre tête là où vous êtes. If you have a friend, a family member, a brother or sister that is sick anywhere that maybe cannot connect, just have the name of that person in your mind as we pray right now. Alors, si tu veux aussi prier pour un ami, un frère, un membre de famille, il n'est pas là, il n'est pas connecté, aie son nom en pensée, mets-toi à genoux alors que nous prions. We are praying. Nous prions. Our Father in heaven. Notre Père qui es aux cieux. The King of kings and the Lord of lords. Le Seigneur des seigneurs et le maître des maîtres. You are the creator of the entire universe. Et tu es le créateur de tout l'univers. Father, you are called the balm of Gilead. Et on t'appelle la baume de Gilead. You are the healer. You are the healer of nations. Et tu es le guérisseur des nations. You've promised us that, Father, whoever that calls upon you and whatever that we ask in faith will be answered. Oh, tu nous as dit que toute personne qui t'invoque par la foi, ce que nous demandons par la foi, nous le verrons s'accomplir. Father, you also reminded us in Matthew chapter 7, verse 7, that you are ready to answer our prayers when we pray unto you believing. Oh, Seigneur, tu nous as aussi fait cette promesse en Matthieu 7, verset 7, que tout ce que nous demandons, nous le recevrons quand nous frappons, tu nous ouvres par la foi. Father, in the scripture, we have read the stories of how he healed many who were sick in the time you were here on this planet. Oh, Seigneur, dans la Bible, nous avons lu plus d'une histoire où tu as guéri des gens lorsque tu étais sur notre planète Terre. And Lord, you asked us to say, if our faith is just like that of a mustard seed, the grain of a mustard seed, that whatever we ask, believing shall be granted. Oh, tu nous as dit que si nous pouvons avoir une foi petite comme un grain de sénévé, tout ce que nous demandons, tu nous exauceras. That's why, Lord, this moment your children have come to you. C'est pour cela, cette raison que tes enfants sont venus à toi en ce moment, Père. We are confessing our sins, Lord, that you will forgive us and cleanse us first. Oh, Père, nous prions que tu confesses nos péchés que nous, tu pardonnes nos péchés que nous confessons. Father, truly we are sinners and we have sinned against you.
Oh, nous reconnaissons que nous sommes pécheurs, nous avons péché contre toi. Yeah, Lord, that is why we are kneeling before you this moment. Et c'est pour cela, Seigneur, nous nous prosternons devant toi en ce moment. Asking you to look unto the blood of Jesus Christ, the greatest sacrifice, and hear our prayers. Oh Seigneur, regarde le sacrifice de Jésus et exauce nos prières. Dear Lord Jesus, many of your sons and daughters are kneeling down now, calling on your name for mercy. Oh Seigneur, beaucoup de tes enfants se sont mis à genoux, demandant le pardon de leurs péchés et la guérison. From many places in the world, Lord, especially in the country of Cameroon, different parts of this very country, many are kneeling down now, Lord, praying that you show mercy on them. Oh Seigneur, un peu partout dans le monde et particulièrement au Cameroun, beaucoup de personnes sont agenouillées en ce moment demandant que tu leur fasses grâce. Dear Lord Jesus, that is a sign that you show us as our God, that when you were on aid, whenever you pass around where there are the sick, they receive their healings. Oh Seigneur, lorsque tu étais sur la terre, partout où tes enfants sont passés, et par la foi, ils ont reçu la guérison quand tu étais ici-bas. Okay, you did that to blind Bartimaeus. Oh, tu l'as fait à Bartimée l'aveugle. You did that to the woman with the issue of blood. Tu l'as fait à cette femme qui perdait du sang. You did that to the mother-in-law of your disciple. Et tu l'as fait à la belle-mère de Simon. You did that to the impotent man at the pool of Bethesda. Oh, tu l'as fait à ce paralytique à la piscine de Bethesda. Many, many, Lord, we cannot mention this moment you healed while you were there. Oh, Seigneur, il y a plus d'une personne que nous serions mentionnées que tu as guéri lorsque tu étais sur la planète Terre. But I'm not looking onto our sins tonight. We are hoping and having the faith of those at the time you were here on earth. Oh Seigneur, nous nous cachons dans la foi de ceux qui t'ont suivi lorsque tu étais sur la terre. Oh God Almighty, in the name of Jesus Christ of Nazareth, extend your healing hand on whoever that is kneeling before you right now, wherever they are kneeling. Oh Seigneur, au nom puissant de Jésus, étends ta main sur tous ceux qui sont agenouillés en ce moment où qu'ils se trouvent. From the head to the neck, to the chest, to the heart, to the abdomen, to the waist, to the legs, down to the toes. Father, speak healing unto such bodies in the name of Jesus Christ. Oh Seigneur, de la tête au cou, du cou à la poitrine, de la poitrine au ventre, du ventre aux pieds, de pieds aux orteils, où qu'ils se trouvent, Seigneur, au nom puissant de Jésus, Seigneur, ordonne la guérison dans leur vie. Dear Lord, your word is true and change it not. You have said that at the mention of the name of Jesus Christ, every knee must bow and every tongue must confess that truly you are the Lord. Tonight we declare, let every tongue that is kneeling down confess that you are the God who can heal their diseases in the name of Jesus Christ. Oh Seigneur, ta parole déclare qu'au nom puissant de Jésus, tout genou fléchit. Permets, Seigneur, que tous tes enfants qui sont agenouillés ce soir puisse expérimenter la même chose, qu'il puisse dire qu'au nom de Jésus, tout genou, toute maladie est fléchie. Whether be it man or woman, we are presenting them before you this moment. Lord, as they are kneeling at their corners, we are lifting them up to your glory, Lord Almighty, that your glory shall descend upon them. And at this moment, as your glory descends upon each body, let there be a touch and a sensation of healing in the name of Jesus Christ. Oh Seigneur, où qu'il se trouve et qu'il réclame ta foi, Seigneur, que où qu'il se trouve, que la puissance de Jésus se manifeste dans leur faiblesse et qu'il reçoive la guérison dans le nom de Jésus Christ. Whatever name the disease may bear, whatever name the doctors may call it, Father, you know better than the doctors. You know better than we do. But Lord, we declare in the name of Jesus, let that disease be healed now and ever in Jesus' name. Oh Seigneur, quelle que soit la nature de leur mal, quel que soit le nom de cette maladie, toi, tu as la puissance sur toute cette maladie. Alors nous déclarons sur ta parole, ton autorité, que toutes ces personnes soient guéries au nom puissant de Jésus.
that high blood pressure, receive your healing, my brother and my sister. Oh, ceux qui souffrent d'hypertension, recevez la guérison au nom de Jésus. To that chronic headache, receive your healing, my brother and my sister. Et que ceux qui souffrent de cette maladie chronique de maux de tête reçoivent la guérison au nom de Jésus. For that disease on the skin, receive your healing in the name of Jesus. Et ceux qui ont ce problème de peau reçoivent ta guérison au nom de Jésus. For that diabetes, receive your healing in the name of Jesus. Et pour ce problème de diabète, reçois ta guérison au nom de Jésus. To that swelling in any part of the body, to that joint ache, receive your healing in the name of Jesus. Pour cette enflure, pour ce mot de genou ou quelque partie de ton corps, reçois la guérison au nom de Jésus. To that chronic malaria and to that chronic typhoid fever, receive your healing in the name of Jesus. Pour ce palu chronique, cette fièvre typhoïde chronique, reçois la guérison au nom de Jésus. To that asthma, to whatever name it may be, Father, we pray, touch that heart, touch that lungs, touch that person, receive your healing in the name of Jesus. Pour cet asthmatique, ce problème de respiration, quelle que soit la nature, quel que soit le nom, que cette personne reçoit la guérison au nom de Jésus. Even to that COVID-19, Father, we pray, whoever has been attacked by this COVID virus right now, may the healing of the Most High God descend upon you in the name of Jesus. Même si c'est la COVID qui t'a touché, mon frère, ma soeur, où que tu te trouves, reçois la guérison au nom de Jésus. Father, we pray for that barren woman whose womb has been blocked or locked. Father, we pray for whoever that is asking for the fruit of the womb. From tonight, may that womb be open in the name of Jesus. Oh Seigneur, pour cette femme qui veut concevoir, pour cet utérus qui est bloqué, oh Seigneur, toi qui es le Créateur, touche cette personne, mon frère, ma soeur, reçois ta guérison au nom de Jésus. Dear Lord, we pray for those who have been tormented by demonic forces that believe that you alone can protect and heal them. Receive your security and healing in the name of Jesus. Oh, pour ceux qui sont tourmentés par les forces sataniques, oh, mon frère, ma soeur, reçois la guérison parce que tu crois que Jésus peut te délivrer. Reçois cette guérison au nom de Jésus. Thank you, dear Lord, for hearing our prayers tonight. Merci, Seigneur, parce que tu nous as écoutés ce soir. Thank you for giving healing to those who believe in you, Lord, by faith. Merci de donner la guérison à ceux qui croient en toi par la foi. Thank you for giving testimonies to all those who have not before you, even those who are standing that believe that you have healed them. Oh Seigneur, merci parce que tu vas donner un témoignage à tous ceux qui sont devant toi et tu vas les exaucer. Take glory, Lord God Almighty, for showing us that truly you are God, our Redeemer and our Savior. Oh Seigneur, prends toute la gloire et montre-nous qu'en effet, tu es le roi des rois, tu es notre Seigneur et Sauveur. Thank you for giving us this testimony of you being our healer from tonight. Merci parce que tu nous donneras ce témoignage que tu es l'Éternel qui nous guérit dès ce soir. Protect us from all harms and dangers of demonic and satanic attacks. Oh Seigneur, protège-nous et éloigne-nous des attaques sataniques et des démons. Be thou exalted, more high God, being our God and our Creator. Oh Seigneur, sois notre Créateur, sois exalté à jamais. We praise your holy name, Lord, for hearing our prayers. Nous te bénissons pour nous avoir exaucés. And for giving us testimonies. Et pour nous avoir donné ce témoignage. And for giving us these miracles. Et de nous avoir donné ce miracle. In the mighty name of Jesus Christ, our Redeemer. Et au nom puissant de notre Seigneur Rédempteur Jésus-Christ, pray with thanksgiving. Amen. Nous avons prié et reçu par la foi et reconnaissance. Amen. 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 Praise God. Thank you, our brothers and sisters. We'll see you tomorrow. All those merci, chers amis. Nous allons vous revoir demain. Give your names and prepare yourself for Saturday for baptism. Si vous vous préparez pour le baptême, donnez votre nom. Et le Seigneur vous bénira. Merci beaucoup. Thank you so much. Merci à Dieu qui nous permet de jouir ainsi de ses grâces.
We thank God who gave us this opportunity to be part of this program and be part of his mercy. Thank you, Pastor. Nous allons nous donner rendez-vous encore par sa grâce demain lorsqu'il sera 17h dans certains pays et 18h ailleurs. Et tomorrow we shall meet again as it will be 5 p.m. in Cameroon and 6 p.m. in Cameroon and 5 or other time in some other part of the world. Merci et que Dieu vous bénisse, vous qui avez suivi sur YouTube et Facebook et partout où vous êtes. À demain par la grâce de Dieu. Au revoir. Bye bye. God bless you and see you tomorrow by God's grace. You who followed us on YouTube, on Facebook and with Amis. Bye bye and see you tomorrow.